quand tu dis tu parles de ta pratique journalistique qui intègre le journalisme de données, data journalism aujourd'hui, très, très, très dans la tendance. En même temps, le journalisme de données, il n'est pas né avec les data et les serveurs. Finalement, il y a déjà du journalisme de données avec des données papier. Oui, mais c'est beaucoup plus simple avec l'informatique, parce que l'informatique, l'accès à l'information, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu accès à autant d'informations dans toute l'histoire de l'humanité, parce qu'on n'a jamais autant produit par ailleurs d'informations. Deux, l'accès à des bases de données structurées, parce que quand tu as des bases de données structurées, c'est plus simple de faire parler les données que si tu dois tout recopier à la main. Et oui, on a des cas d'exemple de data journalism qui remontent au 19e siècle, où c'est quelqu'un qui faisait à partir de papier, qui faisait des schémas, etc. Mais c'était très long, très fastidieux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple. C'est a priori plus simple, et effectivement, il y a de plus en plus de journalistes qui font du data, enfin qui ont traité de data. Par contre, il y a aussi un faux ami sur le data journalisme, et je l'ai vécu parce que dans le cadre de formation, je me suis retrouvé face à des gens qui sont venus à la formation et qui m'ont expliqué qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas voulu venir à la formation. Pourquoi ? Parce que pour eux, le data journalisme, c'est Excel, c'est les tableurs. Ah oui. Alors que non, moi, la quasi-totalité de ce que je fais en tant que data journaliste, c'est des données, mais je n'utilise pas de tableur. Ce n'est pas des maths, ce n'est pas des calculs. Ça va être des données textes, des données brutes, oui. Ça va être des images, ça va être du. Enfin, mais bon, il y a plein de. Le data journalisme, c'est le fait, au lieu d'aller au contact et d'aller tendre le micro ou de contacter quelqu'un par téléphone, d'envoyer un email, tu traites des données. Voilà, ce n'est pas un être humain, c'est des données. Et ça, c'est quelque chose en plus qui arrive dans l'histoire du journalisme. Et même si on peut leur faire dire n'importe quoi aux données. Mais par contre, si tu es rigoureux dans la méthodologie, c'est de même que la radio n'a pas tué la presse écrite, la télé, le cinéma n'ont pas tué la radio, Internet n'a pas tué les autres types de médias. Bah, le data journalisme arrive en plus, en sus d'Internet. Donc c'est une sixième évolution du journalisme, et qui est pareil en plein boom depuis quelques années. Et c'est très bien, parce que comme parallèlement, il y a de moins en moins confiance dans la presse et dans les journalistes, notamment en tant que contre-pouvoir, et pas seulement à cause des fake news, bah là, le fait qu'il y ait à la fois le journalisme aux int et le data journalisme, qui souvent se croisent, fait que, pour moi, c'est quelque chose de supplémentaire dans le fait de démontrer que les journalistes ont un rôle social dans nos démocraties et peuvent contribuer au bien commun. Alors justement, tu viens de nommer les fameuses fake news, on en a évidemment aussi jamais autant parlé. Dans tes pratiques journalistiques, il y a aussi le fact-checking qui consiste à vérifier les faits. Et qui m'amène de plus en plus à fact-checker les fact-checkers. C'est-à-dire que là, compliqué. Quand on a eu Le Drian, Le Drian qui explique que les deux touristes français ont pris des risques inconsidérés en allant en zone rouge, on a eu des fact-checkers qui ont vérifié ce que Le Drian avait dit et qui ont dit c'est pas vrai, il n'était pas en zone rouge, sauf qu'en fait les fact-checkers eux-mêmes se sont plantés. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont tapé le nom de Penjari Lodge, Penjari c'était le parc de Penjari, et il y avait une réponse dans Google Maps. Donc ils ont dit voilà, c'est là. Un journaliste, quand tu vérifies une information, tu la croises. Oui, voilà. Oui. Et donc moi, je me suis retrouvé à fact-checker les fact-checkers, arriver à démontrer que le Penjari Lodge dans Google, non, c'est pas celui-là, c'est pas cet endroit-là. Et donc, on a commencé l'interview où tu me parlais de Wikipédia. Donc, je contribue aussi à Wikipédia. Il y a certaines informations, quand elles ne sont pas sur Wikipédia, je vais les rajouter. Moi, j'ai rajouté sur Wikimapia, qui est un peu le Wikipédia de la cartographie, j'ai rajouté l'emplacement exact du lodge où étaient les touristes français pour arriver à ce qu'il y ait une trace, une donnée. Et le problème, c'est que comme c'est tendance, le data journalisme, le fact-checking, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Sauf que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur le fait de... une chose est d'expliquer comment on peut gravir sur le Mont Blanc, une autre est de le faire sans prendre de risques et en faisant pas n'importe comment. Et le problème, c'est que moi, je suis de plus en plus souvent confronté comme ça à des gens qui font du fact-checking, mais... pas forcément bien, ou pas jusqu'au bout, oui, qui se plantent. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction entre l'effet de mode, où il y a des gens qui vont essayer de faire pareil, et le fait de le faire bien. Je voulais évoquer aussi la protection des sources dans tes spécialités de journaliste d'investigation, donc avec la data, les faits, la vérification. La protection des sources, c'est aussi quelque chose qui est très important. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, on ne va pas rentrer dans le détail encore une fois, mais ça veut dire quoi protéger ses sources quand on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas comment ils viennent vers toi? Comment tu reviens vers eux? Est-ce que tu bannis le mail ou le téléphone? Ou est-ce qu'au contraire, tu préfères tel canal de communication? Chaque cas est unique. Le truc, c'est que de toute façon, tu es obligé de t'adapter à ton interlocuteur. Si elle utilise WhatsApp, si elle utilise Telegram, si elle utilise Signal, si elle utilise PGP, GPG.
Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a de nouveau un avant et un après Snowden. C'est-à-dire qu'avant Snowden, c'était assez compliqué. Il fallait maîtriser PGP, il y a plein de gens qui ne savent pas s'en servir, alors qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone dans la main, enfin dans nos poches, où il y a WhatsApp, où il y a Signal. Bon, et le fait d'avoir ça, c'est tellement plus simple. Après, c'est ce que je t'expliquais aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut faire très attention aux faux sentiments de sécurité. Et moi, quand je suis amené à travailler avec des gens et que c'est des lanceurs d'alerte, ben moi, la première chose que je leur explique, c'est mon boulot, c'est de vous protéger. Une fois que je vous ai protégé, que j'ai vérifié que vous ne preniez pas de risques, etc., là, on commence à discuter pour que vous me donniez les documents. Et en fait, je m'aperçois qu'il y en a plein, ils prennent des risques. Ils ne se rendent pas compte. Ou quand ils m'envoient un document, ils ont oublié de l'anonymiser. Et donc, je découvre l'identité. Et moi, le meilleur moyen de protéger ma source, c'est de ne pas connaître son identité. Si je ne sais pas qui c'est. Oui. À partir du moment, et ça ne m'empêche pas de vérifier le document. Il y a des moyens qui permettent de vérifier un document, vérifier si un document est authentique ou pas, sans que j'ai besoin de connaître l'identité de mon interlocuteur. Donc si je peux ne pas connaître l'identité de mon interlocuteur, ça m'arrange, parce que comme ça, je ne risque pas de le faire fuiter. Mais après, c'est clair que, ce que je disais tout à l'heure, c'est un entraînement, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus simple d'arriver à parler, à protéger ses sources, parce que c'est aussi devenu un phénomène médiatique, les lanceurs d'alerte. Et chose qui était plus compliquée avant Snowden, d'arriver à faire parler des gens. Alors je t'avais prévenu, puisqu'on a beaucoup parlé de secret, et à la fin, ça se termine toujours par une question que je qualifie de secrète, mais bienveillante. En fait, je voulais juste te poser une question qu'on t'a certainement posée 50 fois. Si tu avais aujourd'hui, là maintenant, à faire passer un message, ou peut-être à t'adresser à quelqu'un qui voudrait pratiquer le fact-checking, le data-journalisme, peut-être quelqu'un justement qui est dans ta situation quand tu racontes ta découverte de ce monde informatique avec la volonté de s'en servir, de découvrir aussi le journaliste. Si tu pouvais faire gagner du temps à quelqu'un de jeune ou moins jeune en donnant un conseil sur tes pratiques, de ces nouvelles formes du journalisme qui sont nées de l'Internet, quel serait ce conseil, cette évidence, ce message que tu voudrais faire passer école ? Ce n'est pas une question qu'on m'a posée 50 fois. Bosse. Travailler. Parce que ça ne vient pas tout seul. Renseigne-toi. C'est le coup de la porte blindée et de la fenêtre ouverte. Ouais. N'achète pas de porte blindée. Comprends comment fonctionne la maison. Et une fois que tu auras compris comment fonctionne la maison ça va être ton ordinateur, ça va être Internet, ça va être ton téléphone portable, une fois que tu as commencé à comprendre un petit peu là où tu mets les pieds, là, tu commenceras à maîtriser. C'est une des choses que, au début des années 2000, je me suis retrouvé à faire un article assez critique sur Microsoft en utilisant Word. Je me suis dit, bon, il y a un truc, c'est pas... Puis chez moi, j'étais Windows parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter un Apple. Et donc je me suis dit, non, c'est pas cohérent. Enfin, je veux contrôler mon ordinateur. Et c'est là où j'ai commencé à entendre parler de Richard Stallman. Richard Stallman, c'est l'inventeur des logiciels libres. Et donc lui, il disait, c'est pas des logiciels propriétaires, les logiciels Apple, Microsoft, c'est des logiciels privateurs. Parce qu'ils te privent de certains droits. Ils t'empêchent de regarder, de soulever le capot, de regarder comment ça fonctionne. Donc c'est des boîtes noires, tu sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est là où moi je suis passé au logiciel libre, c'est là où je suis passé à Linux. Et donc si j'ai un conseil, au-delà du fait de bosser, mais si j'ai un conseil à donner à des gens qui s'intéresseraient à toutes ces dimensions-là, a fortiori parce qu'on parle de renseignement technique, qu'on parle de hacker, qu'on parle d'osint, etc., c'est passe à Linux. Passe à Linux pour être maître de ton ordinateur. Ubuntu ? Ça peut être Ubuntu, ça peut être Debian, ça peut être Linux Mint, ça peut être... tu peux changer effectivement Ubuntu qui est très grand public pour débuter. C'est très simple à utiliser. En plus, ça coûtera moins cher que d'acheter des licences Microsoft. Et le fait d'être dans une démarche où effectivement, c'est toi qui va donner... Normalement, tu contrôles ton ordinateur. Sur Linux, par défaut, par exemple, tu n'es pas root, tu n'es pas administrateur de ta machine. Alors que par défaut, les gens sous Windows, ils sont administrateurs, ce qui est une aberration. Parce que s'il y a un logiciel malveillant qui vient sur un compte administrateur, il peut devenir administrateur. Sur Linux, par défaut, tu es utilisateur. S'il y a un logiciel malveillant qui vient sur ton compte utilisateur, a priori, après c'est plus complexe que ça, mais a priori, il ne va pas devenir administrateur, il ne va pas avoir les super pouvoirs. Donc, donc si j'ai un conseil à donner à des gens, c'est passer à Linux, sérieusement. Et pour arriver à pas être dépendant de la machine. Eh bien, Jean-Marc Manac, un grand merci à toi. Je vous en prie.